Tout le monde se rappelle l'histoire d'Ulysse et de son équipage, perdu en mer et affrontant les terribles dangers que Poséidon lui infligeait suite à la mort du Cyclope. Eh bien, dans Tel Ulysse, vous, ou vous et vos amis, jouez un équipage perdu en mer suite à une tempête qui tente de retrouver sa terre natale. Mais ici, vous n'êtes pas forcément lié à l'Antiquité, comme dans Ulysse. Vous pouvez être des corsaires français en 1630, ou même des diplomates byzantins après la chute de Rome. Ce jeu est une passerelle entre le jeu de société et le jeu de rôle pour qu'une famille avec enfants, n'ayant jamais fait de jeu de rôle, puisse s'amuser avec le jeu aussi immédiatement qu'un jeu de société. Évidemment, si vous aimez les jeux à plusieurs ou en solo, ce jeu est aussi fait pour vous. Pour cela, il est structuré comme tel. Il y a un plateau de jeu, qui est constitué de cartes à jouer d'un jeu de 54 cartes, un pion navire à déplacer, qui peut ressembler à un haricot si vous le souhaitez, et un séquençage en tour et en phase. Il se joue donc de 1 à 6, c'est donc un jeu solo et à plusieurs, avec un rôle de narratrice qui est la conteuse, fixe ou tournant. On y crée des personnages, 5, qui sont les membres importants de l'équipage, et qui ont chacun une classe, le capitaine, la vigie, ou quelqu'un qui va même jouer les matelots. Et ils sont définis par des caractéristiques. Le navire, qui lui aussi a sa propre fiche et des points d'avarie, est perdu en mer, et l'équipage cherche à rentrer chez lui. Ce faisant, les marins seront confrontés à de nombreuses épreuves et situations variées qu'il leur faudra affronter ou résoudre. Gérez vos vivres, l'état du navire et celui de l'équipage pour éviter les mutineries et tenter de rentrer à bon port et surtout à temps. Pendant cette aventure, vous dévoilerez les uns les autres vos personnalités, vos craintes, vos espoirs et vos sentiments. Tel Ulysse est un jeu 100% français de Jean-Marc Chosereau, imprimé en Loire-Atlantique de manière écologique et responsable à un prix très raisonnable de 9,90€.